Donc, on va faire une petite comparaison entre une Epiphone Joe Pass avec Bixby, équipée d'un micro chevalet Gibson Classic 57 Plus et d'un Epiphone Classic 57 normal, mais rebobiné chez Lauson Pickups au Québec. Ça coûte 80 $, c'est-à-dire 60 € et je fais tout le rebobinage de façon pas vintage, mais on commence par le classique 57, donc ce fameux micro. On passe au micro de chez Lauson, qui est à la base un Epiphone. Ça sonne quand même très 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 grunge, hein. On va voir donc la Les Paul Studio qui est montée là, en bass blocker, donc c'est plus puissant. Donc là on commence par le micro aigu qui est inversé, j'ai mis en haut. Sont très vintage celle-là, mais elle manque quand même, c'est assez lisse, elle manque quand même d'aigu par rapport à celle-ci qui a une caisse toute érable et qui en épicelle est beaucoup moins droite. Donc là on va comparer le Buzzwalker en position chevalet
avec le classique 57. Le classique 57. Bon, là les cordes sont neuves donc ça donne un son un petit peu métallique. Celle-ci sonne plus rock, je trouve. Très bien dans les sons très Joy Division.